Bonjour, frères et sœurs. Vraiment, ce que je viens de découvrir ici, c'est une chose grave. Ce que vous voyez à l'écran, en tout cas, sur le sujet. Regardez-là, regardez-là, regardez-là. Regardez juste en bas, regardez en bas. Il y a une affaire. Il y a une affaire, mes frères et sœurs. Il y a une affaire où. Ah! À cause de 2000 naira, un Nigérian a tué sa femme. Il a frappé d'une balle jusqu'à elle est morte comme ça. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, il avait besoin de 2000 naira. Et sa femme a refusé de lui donner apparemment. Elle se commençait à battre sa femme. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, vous allez écouter l'histoire. On dit au Nigeria, un homme a battu sa femme à mort pour une histoire d'argent qu'elle lui aurait refusé de prêter. Vous avez entendu ça? Et c'est son fils qui s'appelle Augustin, il a juste 13 ans. C'est lui qui a dit que son papa, qui travaille dans une entreprise d'élimination des déchets dans la ville de Pénin, a pris au fil des années l'habitude d'agresser physiquement leur mère. On dit que leur mère est une marchande d'articles de mode à la moindre provocation. À la moindre provocation, lui, ne fait que frapper sa femme. Maintenant, voici, aujourd'hui, là, ça m'a tonné. Et c'est son fils qui est en train de témoigner comme ça. On est sur Augustin, son père, a appelé leur mère au téléphone pour demander un prêt de 2000 naira. On est face à son refus. Qu'est-ce qui s'est passé face à son refus? Face à son refus, il a commencé à battre la défunte lorsqu'il est rentré chez lui vers 21h. Ah! Non, parce qu'elle a refusé de donner de l'argent. Lui n'a pas laissé à faire là. Depuis là où il était, il est revenu à la maison la nuit là. 21h. Et il s'est mis à faire quoi? À frapper sa femme. Et l'enfant dit, j'ai essayé de donner à ma mère du paracétamol et de l'eau après les premiers coups, mais mon père les a jetés. Hein? Et même quand l'enfant venait pour essayer de régler le problème de sa maman qui était déjà atteinte, le père encore revenait pour jeter les médicaments et tout ça. Donc il voulait qu'elle souffre et qu'elle souffre encore plus. Waouh! Ça, c'est une histoire grave, oh. On dit qu'elle est ensuite allée se baigner, après quoi elle s'est allongée dehors pour se reposer un peu avant de rentrer dormir à l'intérieur. Mais mon père nous a enfermés à l'intérieur, à la chambre, et a repris le coup sur ma mère qui était ferme. Hé! Là, c'est quoi maintenant? Tu l'as frappé une fois, elle est déjà affaiblie. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux encore la tuer? Mais c'est ce qui va se passer. On dit que les voisins ont forcé la porte seulement pour voir notre mère morte sur le sol. Elle a ensuite été transportée d'urgence dans deux hôpitaux différents du quartier où son décès a été confirmé. C'est ce que l'enfant l'a dit. Son fils de 13 ans, qui s'appelle Augustine. Ah, c'est une fille. Augustine. Tiens! Donc le monsieur, il avait besoin de 2000 naira. Genre, on va dire, c'est comme s'il avait besoin de 2000 francs. Ouais, non. C'est comme s'il avait besoin de 2000 francs. Ou bien de 4 euros. Et puis, il appelle sa femme, il dit, ah, j'ai besoin de 4 euros, mais de 2000, faut m'envoyer les 2000. Prenons 2000 fois. Ah, j'ai besoin de 2000 fois, faut m'envoyer les 2000 fois. Elle dit non. C'est un bloc, j'ai pas 2000 fois.
Le monsieur dit, tu dis quoi? Ah, j'ai besoin peut-être de ça urgemment. On ne sait pas ce qui s'est passé après. La femme n'a pas envoyé l'argent. Tellement le gars était en colère, il est revenu à la maison en colère, j'ai dit aujourd'hui, là, on va voir ce qu'elle va voir. Aujourd'hui, on va voir ce qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Genre, voici comment il est revenu à la maison. Dans la colère, a commencé à la gifler, gifler dans tous les sens. Nous l'a roué du coup. Au moins, il se rend compte. Elle est tombée. Ah! La femme est envoyée les médicaments pour dire, hey, maman, faut boire. Faut boire, ça va te remonter un peu. Vraiment, c'est triste. Mais le père, après, a repris encore à la frapper. Vraiment, les gens qui battent les femmes, là, moi, je vous dis en même temps. Premier élément, la colère, c'est pas une bonne chose. Parce que ça vous pousse à commettre de grands crimes. Les démons sont dans la colère. Il y a un démon qui dit que lui, il s'appelle le démon de la colère. Il dit, je suis le démon colère. C'est pas de la blague. La première chose que vous devez apprendre, c'est avoir la maîtrise de soi. Même si vous êtes riche et que vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous commettez des bêtises, vous retrouvez en prison gratuitement, gratuitement. Ayez la sagesse de Dieu. Quand est-ce que vous devez demander? C'est pas de la blague. La femme qui est là, là, où tu vas la toucher, puis elle va être en fille. Garçon, on dit garçon. Ah! Moi, mais regarde mes poings. Regarde mes poings. Je ne suis pas un catcheur. Je ne suis pas un boxeur. Mais regarde mes poings. Regarde mes poings. Il y a ça là. À qui? Et puis la personne va rester en fille. Un peu fausse raison, une femme. Dieu a créé l'homme. A une force terrible. Pour se battre. Pour se battre, pour évoluer dans la vie, pas pour combattre un autre homme comme lui. Et la force de ta main, la force que tu as, tout ça, ce sont les choses que Dieu t'a données pour que tu puisses te battre, tu puisses travailler dans les champs, te faire de l'argent, te faire de la thune. Parce que la vie sur la terre est dure, il faut travailler dur à la source de son fond pour avoir de l'argent. Tu ne peux pas gaspiller cette énergie-là dans la bagarre, dans les bagarres inutiles. Maintenant, voilà ça. La fille est morte. Et les gens regardaient, les gens ont caché, les gens ont caché, ils ont regardé cette scène, regardez-les. Il s'est dit, mais ah! Moulé! Moulé bé! Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé ici? What is happening here? What is happening here? Genre, qu'est-ce qui s'est passé ici, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? What is happening here? J'ai vu ça depuis un moment. J'ai dit, ah, comme nous allons faire, comme nous sommes occupés, c'était le bon moment pour vous faire cette vidéo. Maintenant, aujourd'hui, regardez ça. Regardez ça. Les hommes, un conseil. Apprenez à ne pas vous mettre en colère. Vraiment, priez. Moi, je prie pour vous que je vous aime. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous vous mettez en colère et que vous faites des bêtises là, c'est la mort qui s'ensuit. Vous n'avez pas encore remarqué ça. Vous n'avez pas remarqué que cette accélération de mourir, ça. Vous faites attention là. Nous sommes dans une période très fragile cette temps-ci. Les gens disent quoi? Les gens disent que oh, c'est la fête de l'année, le diable vient pour faire du mal aux gens, pour tuer les gens. C'est pour ça qu'ils courent pour aller à l'église. Mais nous sommes à quel mois? Nous ferons notre dans dans juin, non? Ça, c'est une histoire qui s'est passée en juin. Hey! Mes frères et sœurs, que Dieu éloigne la mort de votre chemin ce mois de juin. Et du restant de toute l'année, même de l'année prochaine. Même de l'année prochaine, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de la blague, je vous le dis. Je vous le dis. Ne faites pas ça chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous donne un nouveau parfum de l'homme. C'est parti.